All systems check. 3, 2, 1. All the crazy shit I did tonight. Those would be the best memories. Bonjour à tous et bienvenue au podcast Sur la bande. Sur la bande. Sur la bande. Avec Sébastien Gadouri et Zachary Lébéi. Hey, salut mon Seb. Hey, salut Zach, ça va bien? Ça va très bien, toi? Yes, super bien, bien content de recevoir deux invités pour la première fois et qu'on soit en live avec nos invités. Pour la première fois, effectivement. Une autre première fois aussi, mon père, qui était notre premier invité, nous aide. C'est lui qui met les vidéos, les intros et tout maintenant. Ouais. On le remercie encore. L'application Bouge Radio qu'on voit maintenant aussi dans notre fond d'écran est faite par le père à Sébastien qui nous a beaucoup aidé aussi. On a deux pubs. La première a été faite. Je pense qu'elle a été faite un petit peu trop rapide pour qu'on la voie. Peut-être qu'on la voie au complète, mais c'est pas bien grave. C'est commencé, mon Seb. Yes, c'est commencé. Fait qu'on va commencer avec la mise au jeu. Claude, tu peux m'envoyer ça. La mise au jeu de cette semaine, on les voit déjà. NHL Fan QC et Just.Lucky sur TikTok. Yes. What's up, guys? Woo! Let's go. Ça part? Yes, ça sir. Va, ça va bien, les gars. Just, il y a bugué, je pense. Oh, on a un petit bug. OK, il va peut-être revenir. Non, c'est ça. Ben, correct. Ah, c'est pour ça. OK. Juste pour ça. Bon, ben, on va attendre un peu. Il devrait être sur le bord de... Ah, il est revenu déjà. On veut pas d'antifans canadiens. Bon, il est revenu. Ça va, Just? Bon, on a un petit bug. Ouais, ça, j'ai vu. OK. On va commencer ça par votre présentation chacun, s'il vous plaît. Ben, présentation, genre, vous avez les deux, votre compte TikTok, parlez un peu de ce que vous dites, ce que vous faites, là. On va commencer par lui, que ça fait plus longtemps qu'ils n'ont pas été en finale de la coupe, fait que vas-y. Ferme ta gueule. Bon, pour ce qui est des sénateurs, on va mettre la calotte. Ouh! Let's go. Bon, en vrai, pour ce qui est de mon contenu... Ben, je parle un petit peu de hockey, je parle un petit peu du sport également. Donc, je parle beaucoup de hockey. Dernièrement, du style aujourd'hui, j'ai mis mes vidéos d'hier. Un match exceptionnel. Ouais. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé le match, je vous invite à aller voir les highlights. Très gros match. NHL Fan QC, en FTL, les Sens auraient clairement pu gagner ce match-là. Hammonds a volé à game, puis Murray a volé plus de buts au CH qu'il aurait dû. Ouais. Ah, let's go, mon bourg, vas-y. Ouais, ben, NHL Fan QC sur TikTok depuis plus qu'un an. Fan du CH et aussi des Sharks de San Jose. On peut le voir, avec mon ancien chandail de Pavelski. Du contenu hockey un petit peu moins dernièrement par manque de temps, mais avec notre fameuse série que je fais, meilleur joueur drafté 2010-2015, que le monde attend toujours, souvent, que je vois, mais bon, que ça prend un mois, avec mon fameux « ça part ». Mais bref, tout plein de contenu hockey, contenu un peu humoristique avec, puis des beaux petits bouts de slapshot que le monde aime bien. Fait que c'est ça. Allez vous abonner en même temps. Ciao! Yes, sir! Merci, super. Tu peux lancer autour du filet, s'il te plaît. Bon.
Tour du filet. Chat, veux-tu commencer cette semaine? Commence, moi j'ai perdu mes notes. C'est pas bon, les gars. On parle, ça part bien, là. Là, on parle de East Coast League, l'histoire de Sean Avery. Ah, on direct. Ouais. J'ai entendu parler. Vous en pensez quoi? J'en pense que s'il veut revenir, il revient, mais est-ce qu'il va faire un grand succès? Et j'en doute beaucoup. Ils ont déjà annulé son contrat, je pense. C'est ça? Ça part bien? Pour moi, il a eu peur de Georges Larac. Ah, c'est vrai, j'ai entendu parler aussi de Georges Larac qui voulait revenir ici pour sa fête avec Sean Avery. Moi, je le signe n'importe quand à Montréal. Sean Avery? N'importe quand. Je le mets ça sur le quatrième trio, n'importe quand. Moi, il faut s'abraser. C'est pas de ma faute. Il faut s'abraser. Tant que Montréal, c'est une fête, c'est pas important. Ici. Ok, tu vas pas mettre Sean Avery à la place de Péling. Il est quand même pas pire. Tu vas pas mettre Sean Avery à la place de Pedetta. Puis les Conan, quand on s'en fait à jouer comme du monde, tu vas pas l'enlever aussi? Péling, tu l'enlèves, tu mets Sean Avery, tu mets Avery avec Pedetta sur la même ligne, tu t'en vas chercher Delaurier. Contre les Conan. Ah, ça peut avoir une bonne ligne, celle-là. Là. Mm-hmm. Oui, Avery, Pedetta, puis Delaurier. Chris, il y aurait des batailles à chaque game, ça, c'est sûr. Ouais, ouais, mais des batailles entre les coéquipiers de ligne, ça fonctionne pas, ça. Oh. Oui, mais Zach, c'est un détail, ça. C'est un détail. Ouais. Moi, je vais vous dire que je suis trop jeune pour l'avoir vu. Moi, j'en ai déjà un petit peu. Moi, je me rappelle quand il était devant Martin Brodeur et il essayait de le cacher. Là. C'était n'importe quoi. Là. Je me rappelle de ses années à Dallas. Puis il avait fait aussi la une pour certaines affaires. Il avait arrêté à genre 32 ans, hein, je pense. Ouais. Mais là, il était rendu à 41, je pense. Ouais, là, ouais, cette année, ouais, il était genre à 41. Ouais, puis il essayait son comeback. Goudard, ça va. Ouais, mais Georges Larac, là, il a quel âge, lui, pour voir revenir? Il y a quoi, il a 45 ans, genre? Larac, il doit être dans ce coin-là. Ouais, je regarde sa face, puis il est pas jeune. Ouais, mais il avait eu son contrat, il y a une équipe qui offrait un contrat d'une game. Contre Champ pour Larac voulait y aller n'importe quand, parce que genre vu, il avait fait des ben, genre il avait dit des affaires racistes, puis il s'avait jamais excusé, puis il voulait jamais se battre non plus contre Larac. Larac voulait aller se battre, puis il a dit mais s'il veut pas, moi aller sauter dessus, puis s'il faut me faire suspendre, ben, je m'en fous. Ah, juste, t'avais raison. Larac il a 45 ans, ben pile. Bon, oui. J'ai dit un chiffre random, je me suis dit au pays, t'as dans le 45 ans, puis Chris c'est 45 ans. Ah bon, non. Hey, je suis fort, let's go. Sean Avery, il a juste eu peur de Georges Larac. Seb, tu peux dire le deuxième sujet. Yes, c'est bon. Je t'ai encore perdu, désolé, c'est pas l'alcool qui fait ça. OK, deuxième sujet, l'avenir de Montembeau à Montréal, vous en pensez quoi? Ben, je vais laisser commencer, les boys. Je vous laisse commencer. Ah, je vais Alexis, tu peux commencer là-dessus. Tu penses quoi de l'avenir de Montembeau à Montréal? Ben là, peut-être pas first, peut-être deuxième, parce qu'on va aller en chercher un bon, là, en espérant aller chercher genre Samsonov, que j'espère bien. Que le monde sera comme ben là, on n'a pas besoin d'autres goalers, on a tellement, mais le monde ne connaît pas l'hockey pour dire ça. Parce que Samsonov, ben, ça peut peut-être être notre futur, ben pas jusqu'à Price, là, mais ça reste quand même peut-être un bon futur gardien numéro 1 quasiment dans la ligue des meilleurs. Mais c'est comme deuxième, j'ai pas peur pendant tout. Là. J'ai plus de chance à dire Montembeau, plus une chance que le monde dise primo. Non. Mm. Le monde sont bandés sur primo, mais Chris, à un moment donné, il faut qu'il donne de quoi. Ouais. Ben, j'avoue, primo, on va se le dire, c'est plus la COVID qui l'a ruiné. C'est chiant à dire, mais c'est vrai. Hein. Ouais, mais... Il y a pas de ouais, c'est ça, mais c'est parce que le problème avec primo, c'est qu'il n'y a jamais eu de saison complète. Parce que non. Depuis le début de la COVID, il fait le lift avec le taxi quad, puis là, il a nage. Il n'a jamais connu de saison complète. Non, c'est ça qui est assez plate pour lui. Puis en NHL, on voit qu'il y a quand même du succès avec le Rocket. Mais ça reste quoi, un choix de 7e ronde? Ouais. Ben, mais Lundqvist. Lundqvist, choix de 7e ronde? Ouais. Ouais, je sais. Ouais, il y en a une couple de choix de 7e ronde qu'on pourrait nommer. Parce que Montembeau, c'est un choix de first. Montembeau, il est voyant. Ouais. Pour ce qui est de Montembeau, je vais mettre un petit peu mon avis là-dessus. Je vais juste faire mon avis pour cette saison. Pour cette saison, il y en a qui me disent d'aller mettre Hammond dans la AHL pour qu'il goal avec Primo. McNeville, ça ne me dérange pas. Je peux même le dégager dans une transaction. Je m'en fous de McNeville. Je pense que c'est une bonne idée.
Au moins, Hammond, il a de l'âge. Il serait un bon mentor pour Primo dans la AHL. Montembeau, je regarderais premier, puis même pas premier, mais faire un tandem avec Allen à son retour. Parce qu'Allen, c'est pas un premier gardien, c'est un deuxième. Mais faire un tandem puis égaler le même nombre de matchs pour le reste de la saison, ça serait de quoi à faire. Ce serait plus sécuritaire vu que Press, on sait pas s'il revient. Donc très intéressant ce que tu veux dire là. Des points que j'avais pas entendu encore, comme mettre Hammond avec Primo parce qu'il y a de l'âge, de l'expérience. Mm-hmm. Moi, ce que j'en pense de Montembeau. Hein? L'expérience d'Hammond, c'est un gros mot. Ben, ça reste que ça peut être un bon mentor. Mettons, il y a plus de vécu que McNeven qui a juste goalé et chill, je pense. Ouais, il a joué la East Coast ici avant. Ouais, East Coast, c'est vrai. Ce que je pense de Montembeau, pour vrai, au début de l'année, quand on l'a eu parce que Price était blessé et tout, je l'ai changé. On l'a fait au balotage, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Au balotage. Mais je l'ai changé pas longtemps après parce qu'il ne servait à rien. Maintenant, il est solide. C'est n'importe quoi. Je le garde avec les Canadiens. Pas prêt à dire first. En tout cas, pas dans deux ans, certains. Non. Il va falloir qu'il monte encore, mais il est solide. D'après moi, ce qui va arriver, c'est qu'Allen, c'est pas un first, comme tout le monde l'a dit. Montembeau va rester deuxième. Il va avoir une transaction pour que Allen s'en aille puis qu'on ait un gardien de premier plan pour. Pas pour Allen. Price, il doit revenir. Si Price ne revient pas, Allen est obligé de le garder pour le reste de la saison. Ouais, c'est sûr. Mais Price revient la saison, après la date limite, on fait quoi? Tu vas pas mettre Primo dans East Coast, là? C'est pas ça qu'il y a besoin. Et tu vas pas mettre Hammond ou Allen ou Montembeau, un des trois, dans la East Coast non plus. Là? Non, c'est sûr. C'est ça qui va arriver si Price arrive cette saison. McNeven, c'est le moins dangereux de le mettre dans East Coast. C'est pas tant grave. Le gars, il est pas super bon non plus. Là. Non. Je dis pas qu'il est pas bon, mais c'est pas un gars pour la NHL, par contre. Non, je pense que tu fais un coup à la Julien Brisebois l'année prochaine et tu dis à Price reste blessé pour le reste de la saison. Pour vrai, c'est ça, je pense. Mais à moins d'un miracle, le Canadien ne fera pas essayer. Fait qu'il peut bien faire un coup à Julien Brisebois. C'est pas comme si Kucherov il revenait. Là. On s'en fout. Kucherov est déjà là. Mais Price, même s'il revient, il ne fera pas des miracles. Il ne fera pas sauver l'équipe. Moi, je pense que le Canadien a encore des chances. Ils sont minimes, mais Montréal a encore des chances. Justement pour pas mettre un gars genre au balotage puis qu'on ait une chance de perdre pour rien pour que finalement Primo il se ramasse dans East Coast League. Fait que tu dis Price laisse-toi, excuse-moi, tu vas rester. Garde la saison parce que pour nous aider, il faudrait que. Montembeau pour Georgiev pour. Ouais, ça c'est le deuxième de. Ouais, le deuxième des Rangers. Des Rangers. J'en ai de la one. J'en ai de. Ben, 1v1 pour Georgiev. Ben non, mais on pas 1v1. Les Rangers, ils voudront pas. C'est un bon deuxième, Georgiev. Genre, il est pas trop pire. Mm-hmm. On va chercher Samsonov à la date limite des trades parce que Washington va aller chercher Fleury pour changer leur deuxième goal. Ben, genre, Penses-tu vraiment que Fleury va partir? Il veut pas aller à Washington, certain. C'est ses rivaux contre. C'est les rivaux des Pingouins. Il va pas aller là, certain. C'est ça qu'il voulait pas aller là. On sait jamais. Ouais. Mais s'il y a une chance d'aller faire les séries avec eux autres, il va y aller. Ah, dans sûrement. Il a une chance d'aller gagner à la Coupe. Pourquoi pas? Parce que les Cats ont une chance de gagner à la Coupe. Oui. Non. Ils vont faire les séries, mais est-ce qu'ils vont gagner à la Coupe? Moi, j'en doute beaucoup. Si ça compte contre Pittsburgh, premièrement, Washington va gagner, parce que Pittsburgh, ben, ils me font chier, fait qu'ils vont gagner. C'est tout. Yes. Fait que dans le fond, on a fait le tour du sujet. Zach, je te laisse le prochain. Un truc un peu triste, on va dire. Ben là, on va parler de tous les événements annulés en Russie. Tu sais, on en voit beaucoup, là, des trucs qui étaient supposés être en Russie qui ne vont pas avoir lieu, finalement. Les événements sportifs. Il y en a eu plusieurs. Je suis même pas triste avec ça. D'après moi, ce qui va arriver, c'est que la Russie va être enlevée des championnats mondiaux. Je suis content qu'on n'aille pas en Russie. Mais c'est genre le truc. Je dis que c'est triste parce que c'est à cause de ce qui se passe en ce moment qu'ils font tout ça. Pour ça. Mais moi, je m'en fous de la Russie. Ben, attends, c'était peut-être. Si tu t'entends, tu prends un missile sur ta maison, là. Non, moi, j'ai déjà une tour là-bas. Il me reste juste un sniper à avoir. Pas récemment. On s'entend. Mais à chaque, il veut voter les contrats des Russes dans NHL, là.
Ouais, ça, j'ai vu. Il a traité Ovechkin de Momon ou de quoi de même. C'est ça que j'ai lu. Ben voyons donc. Il a défendu les Ukrainiens. Sauf que c'est pas la faute des joueurs. Ça, c'est vrai. C'est ça. Ouais. J'ai vu hier soir, j'étais à Ottawa. J'ai vu Zoub se faire huer. Là. Ouais. J'étais pas d'accord. Ouais, ouais, hein. Je l'ai pas hué, Zoub. Zoub n'a pas joué une bonne game, mais je l'ai pas hué. Je peux pas le huer. C'est pas de sa faute. Il est russe, lui. Zoub, ouais, ouais. Ok, je sais pas. Mais, tu sais, c'est. Les gens l'ont eu, il y a eu à Puck en début de game, il était derrière le filet de Murray. Et les partisans l'ont eu. Moi, je l'ai pas eu, là. Fuck off. Non, c'est pas. C'est pas de sa faute, là. Romanov, c'est tu as tué, lui? Qui ça? Qui? Romanov. Non, ils n'ont pas eu Romanov. Ok. Mais non, c'est bien. Il y avait plus de partisans de CH. J'étais là, je regardais, puis. Je voyais plus de partisans de CH que de partisans des Sens. Mais c'est normal, une game canadien-Ottawa à Ottawa, c'est le deuxième Centre Bell. C'est ça. Tu peux starter un olé-olé si tu veux. C'est qui, à part Lucky aussi, qui est fan des Sens? Des Sens. Phil Sens. J'étais seul à créer Go Sens Go, là. Je me sentais tout seul. On va revenir aux événements russes. En fait, je suis complètement d'accord. Je peux pas dire que je suis triste. Oui, la guerre, c'est triste, c'est chiant. C'est ça, parce que tu vois, l'Ukraine se fait planter, puis genre, ils ont rien demandé, eux autres. Là. Mm-hmm. Genre, il y avait des pourparlers avec les Russes, puis au final, ça a fini en guerre parce que les Russes, ils ont une tête fêlée. Là. Mais pour ce qui est des événements russes, j'ai entendu parler que la finale de la Ligue des Champions au soccer, ça allait être en Russie. Que le fait que ce soit déplacé en France, je suis totalement d'accord. Ouais. Parce que la Russie ne mérite même pas d'avoir des événements sportifs rendus là parce que je suis pas d'accord. C'est inutile, c'est stupide, ouais, cette guerre-là. Elle allait même être enlevée du championnat mondial junior. Ouais. Bon. J'ai vu Gretzky passer ça. Ouais, c'est lui qui a dit ça. Je pense que c'est Gretzky qui le colle. Mais en même temps, mettons que c'est vrai, là, c'est-tu à cause du prestige de Gretzky qui dirait oui, c'est à cause des événements? Je pense que c'est un petit peu des deux. Ouais. J'ai vu aussi Bob Hartley retirer son équipe de KHL des séries. Ça, c'est Yari Curie, ça se peut-tu? C'est Yari Curie. Ah, c'est pas vrai. Hartley, c'est pas Hartley pendant tout. Non. Yari Curie avec le Joker de je sais plus trop. Je sais plus ouais, boy, le nom, rien à foutre, c'est un nom russe. Fuck off. Vodka. J'ai pas le temps pour dire ce nom-là. Joker Vodka. Ouais, puis j'ai vu aussi que la SAQ et la SAQ enlevaient leurs produits russes aussi. Avec raison. Moi, je suis totalement d'accord avec ça aussi. En fait, tout ce qui est russe, je suis d'accord qu'on l'enlève parce que c'est un pays de merde. C'est un pays qui crée la merde pour rien avec leur petit arsenal. Je suis pas d'accord avec ça. Je vois juste Claude rire en bas, c'est drôle. Non, c'est... Bon, fait que c'est pas mal ça à propos des Russes. On est triste pour l'Ukraine. Exactement. Fuck you. Bon. Là, on voulait parler série du stade qu'il y a eu hier, Nashville contre Dallas hier, excuse. Tampa Bay. Tampa Bay, ouais. Nashville, Tampa Bay. Vous en pensez quoi de ces séries-là? Les séries du stade, c'est juste un match. C'est ça? C'est un match normal, mais je comprends pas. En fait, c'est quoi? C'est juste pour faire plaisir de le mettre dehors? Ouais. Parce que je sais pas. Je comprends pas c'est pourquoi. Ouais, c'est ça. Je vois pas le but. Cool, je vois pas le but, en fait. Les classiques hivernales, c'est le fun. Le 1er janvier, c'est le fun. Mais je trouve les séries stades, c'est moins... Je sais pas. Ouais, c'est ça. T'es comme moins intéressé parce que tu te dis, on a déjà notre classique hivernal. Pourquoi faire un autre match dehors pour un classique stadium? Mais un classique stadium, il sert à quoi? C'est un deuxième match à l'extérieur, c'est juste ça qu'on voit, nous autres. Là. En plus, c'est McCarron qui s'est battu avec Maroon, je pense. Oui, ça, je l'ai vu. C'est quoi tu dis avec ça? Bagon. COVID-19, hein? Tabarnak. C'est qui s'est battu? McCarron puis Maroon. Oh. Je pense qu'il y en a eu plus que ça. Ah, il doit en avoir eu un petit peu plus. Mais comme l'autre fois, à ce bord du lac, là, qui avait connu Vegas, ouais. Colorado, c'est ça, c'est safe. Là, c'est différent, mais là... Ouais. Ça compte un peu comme le genre de classique hivernal un peu, mais même, je savais même pas qu'il y avait ça, je viens d'être au courant là. Ouais, ça a eu lieu hier. Tu
sais, pour te dire, puis en plein mois de février. Non. Tu sais, mettons, ça a été pendant les fêtes, tout ça, ouais. On voit pas l'intérêt, pour vrai. Non. Si le Classic Stadium pouvait être en même temps que la Classic Hivernale, au moins, là, ça serait plus... Si au moins les deux trucs pouvaient être joués le 1er janvier, au moins, ouais, là, mais... on aurait plus d'intérêt. Tu fourres ta cote d'écoute. Aussi. Le festival offensif hier de Toronto contre Red Wings. Marner, 4 buts, 2 passes. Bunting, 1 but, 4 passes. Puis Matthews, 1 but, 3 passes. C'est gros en esti. J'ai vu le TikTok de Dat Leaves Fan aussi. Il a eu peur de perdre. C'était rendu. C'était 7-1 ou 7-2, quelque chose de même. Puis les Red Wings sont remontés à 7-7. Ouais. Mais ça, j'ai vu 7-7. 7-6. Ah, 7-6, ouais, c'est ça. Après ça, 8-6, 8-7. Puis après ça, ils ont scoré. Mais moi, après ça, moi, juste dire ça tout de suite. Je regrette d'avoir mis Rantanen pour le match d'hier. Marner qui a fait 6 points. Fait que dans mon pool, là, je suis enragé. Mais tu sais, si les Leafs y auraient choqué, ça aurait tellement été drôle. Ah, ça aurait été magnifique. Ça aurait pas été la première fois qu'ils auraient choqué. Ça aurait été la même chose que c'est la classique contre Montréal. Juste que choqué en une série, eux autres, ils auraient choqué en une game. Ouais. C'est déjà qu'ils ont perdu contre un goal, chauffeur de Zamboni. Ah ouais, David Harris. David Harris. Depuis que ils n'ont jamais gagné une série. Ah, Zach aussi, tu pourrais dire ça. Ouais, mais j'ai un an ou deux ans de moins que lui, fait que c'est bien plus drôle si on rajoute du temps. Ouais, c'est sûr. Bon, fait que on a fait pas mal de tours. Ça aurait été drôle que les Leafs perdent. Ça aurait été magnifique de les voir perdre. Choqué en une game, qu'est-ce qu'ils ont fait contre Montréal? Ah ouais, ça aurait été été dingue. 11-10 en overtime, ça aurait été magnifique. Ça aurait été épique. 11-10 Red Wings en overtime. Yes. Un but dans une game, je suis même pas sûr que j'ai déjà vu ça. Je pense que j'ai jamais vu ça. Là, y en a moi, j'ai vu mon plus gros nombre de buts, je pense que c'était un 10-3 en 2010 entre les Blues et les Red Wings, je pense. Ben, il y a eu comme un ou deux 10-1 de Montréal, je pense. Il y avait mais j'ai vu un 10-3, c'est deux buts de plus. Mm-hmm. 10-1 contre Montréal contre Avalanche. Ouais, 10-0 pour Columbus contre Montréal. Ouais. Puis, je pense que c'est 10-0 contre Détroit. 10-0 ou 10-1 contre Détroit une autre fois. Ah, c'est des games, je veux pas me rappeler ça. Ah, c'est moi, là, contre Détroit, bon, c'était moi qui avait gagné. Ouais, ben contre Columbus, ça me rappelle des souvenirs. Là. J'ai écouté ce game-là. Et boy, Sam le gérant d'estrade, il devait être bandé solide. C'est quoi, t'as dit, Alexis? Sam, je trouve que c'était qui dans un goal, mais il avait laissé le même goal toute la game. Ouais, c'est vrai. Je me rappelle. Je pense que c'était Montoya. C'est ça, je t'ai pas dit. Ouais, Niemi ou Montoya, en tout cas, c'était une année Niemi Montoya. C'est un match à oublier, ça, c'est sûr. Fait que Chara, quand t'as tellement honte que tu changes même pas ton goaler de la game. Non, c'est sûr. Chara est devenu le défenseur avec le plus grand nombre de matchs joués. D'après vous, il veut-tu être au Hall of Fame? C'est sûr. Ouais. Je suis totalement d'accord pour Chara. Il a donné beaucoup de coups de salaud dans sa carrière. On va se ramener. J'en reviendrai pas plus longtemps en 2012 avec le coup Pacioretty. Ça, c'était. J'étais en tabarnak. Je pense que c'est à cause de ça qui fait que j'ai eu les Bruins aujourd'hui, que c'est la pire équipe de la LNH dans mon cœur. Je les déteste. C'est à cause de ce coup-là. Parce que de base, les Bruins, je les détestais pas tant avant ce coup-là. J'étais comme, c'est une bonne équipe de hockey. C'est une équipe qui joue bien. Mais là, je vois ce coup-là en 2012. Depuis 2012, Boston, c'est ma pire équipe ever. Non, mais il y avait des joueurs salauds dedans. Là. Mm-hmm. Sean Thornton, après ça, il y avait des gars genre Nathan Horton, c'était tout là. Ouais. Soderberg. Si tu compares les Bruins de ce temps-là puis les Bruins en ce moment, avant, c'était l'équipe de Couchien, de mangeux de marbre. De mangeux de marbre. Je me dis, c'est rendu une puissance de Ligue nationale, des joueurs rapides. Des Tim gars qui sont capables de scorer. Un premier trio vieillissant, puis à un moment donné, ils sont juste plus là. Je pense que Bergeron puis Marchand, dans 2-3 ans, ils seront plus là. À la fin de leur contrat, ils seront plus là. Ah, Bergeron est en UFA cette année. Ouais, ça va être difficile de signer. Le gars, il va en demander beaucoup.
Moi, je pense que le gars m'a demandé beaucoup pour qu'est-ce qu'il va pouvoir donner l'année prochaine. Je pense que l'année prochaine, ça va être son début de régressement. Parce qu'il est encore bon cette année, mais je pense que l'an prochain, ça va être comme l'année du début de son retranchement vers la retraite. Je pense qu'il est rendu à 36. Je pense quelque chose de même. Bon. Fait que Charles Hall of Fame, c'est check. C'est fait. Puis Chandler retiré à Boston. Ouais, ça c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Il mérite pas avec le coup de 2012. Tu l'as encore sur le cas. Il mérite rien, mon Chris. Je vais en LNH, puis tu me plantes, je m'en fous. Au moins, j'aurais fait quelque chose. Je vais pas à Ottawa, je m'en fais une game. Je prends la place de Chabot à la défense, puis on va prendre la place de Josh Brown. Là. Il a joué une mauvaise game hier aussi. Fait que je vais prendre la place de Josh Brown, puis je vais affronter Islanders, puis je vais me faire planter par un gars de type 9. Oh là là. Lors au 6 pieds, puis 160 livres mouillés, puis 6 pieds, là. Il va pas faire grand-chose contre Chara. Non, moi, tu fais que c'est une volée. Longue vue d'impact. Ouais, c'est ça. Lors au hockey féminin, ça, c'est notre prochain. On n'est pas surpris, je pense. Canada est dans une finale. Non. J'ai rien à dire, c'était même pas une surprise. Genre, je l'ai vu au début du tournoi, planter la Finlande 11-1, puis la Suisse, genre 12-0, quelque chose de même. On a genre 10-3 en demi-finale. Non. Ouais, tabarnak, ouais, j'en suis. Tabarnak. J'ai juste vu le premier match, et je me suis dit, bon, ben, on a de l'or au hockey féminin. Mm-hmm. Ouais. C'est vrai. Moi, je dis, fais un 4-7 Canada-États-Unis, that's it. Ça serait une 5. Mm-hmm. Ça serait fou. Petite fierté Boston en plus. Ouais. OK. Fait que là, l'autre sujet, ça rapporte aussi avec le hockey féminin. Il devrait-tu faire une existence d'une ligue de hockey féminin pour les femmes? J'y ai pensé. Ben, je pense que c'est déjà fait. C'est à moi qui ai stoppé la ligue. Mais ouais, ils ont stoppé la ligue. Ah! Ils ont stoppé. Mais je pense qu'il faudrait des joueurs, des joueuses féminines dans la NHL. Pour vrai, je pense que ça pourrait... Ça peut, les gars puis les femmes de fermer d'esprit puis qui disent « Ah, la LNH, c'est pas une ligue de femmes! » Marie-Philippe Poulin pourrait clairement jouer à NHL. Elle est bonne en tabarnak, là. Non, mais ça ne plaquera plus. Non, c'est ça. Ben, mais justement, on s'en fout. C'est sexiste en tabarnak. Non. Non, au Lyon. Manon Réon, là, en 90, je pense que c'est 98 avec le Lightning, là. Manon Réon, mais là, goalie une game avec le Lightning. Ah, mais je prépare à toi, même à ça, c'est goalie. Différence entre goalie puis jouer. C'est pas même vitesse de patin non plus. Ah, c'est sûr, mais ça reste que, genre, il y a quand même une. On en a jamais parlé de cette game-là. Elle a quand même goalie. Mais même à ça, c'est pas pour être méchant envers les femmes, là. On va faire attention à ceux qui nous écoutent. Mais c'est pas pareil, là. Ça, c'est. Ça, tu peux pas mettre des gars et des filles en même temps dans une NHL. Moi, c'est une idée que je lance. Là, genre, Marie-Phil Poulin avec des hommes, moi, je serais d'accord. Là, je la verrais bien. Là. Dans East Coast, genre, je trouve qu'elle joue très, très bien. Je l'aurais vu avec les Lions, sauf qu'elle a dit non, Lyon dans East Coast League, sauf qu'elle a dit non pour continuer d'essayer d'avoir une ligue, justement, de hockey féminin. L'idée est bonne, en vrai. Okay, fait qu'on va starter sur l'autre sujet. Joshua Roy, meilleur joueur de la Q avec 73 points en 37 matchs. Son repêchage, ça a été 5e ronde. Le CH vient de faire un vol? Ah, mais est-ce que Timmins a fait son dernier vol avant de partir? Ah, mais ça, ben, là, il était censé sortir deuxième ou troisième ronde. Je vois pas ça. J'ai pas compris pourquoi il est sorti 5e ronde. En vrai, j'ai pas compris pourquoi il est sorti 5e ronde. J'aurais été Pierre Dorion, Eugène Melnick. À Ottawa, je l'aurais repêché deuxième, troisième ronde max. Là. Je t'explique pourquoi. Okay, je sais tout ça. Je travaille avec ça sort tout. Bref, je sais. Il était censé sortir deuxième, troisième ronde là-dedans. Le pourquoi du comment qu'il est sorti autant loin, c'est que, premièrement, il n'était pas autant rapide. Il n'était pas autant productif parce qu'il était comme un peu trop lourd, je pourrais dire. C'est pour ça que cet été, après le repêchage, j'ai perdu du poids. C'est pour ça que là, il est autant productif pendant le camp d'entraînement et tout. Tu le voyais, il était vraiment partout sur la glace. Tandis que les dépisteurs, pendant la. Tu sais, qu'ils regardaient les matchs avant le draft, ben, tu sais, il était pas intéressé. Il backait pas. Il backait pas tant que tel.
qu'il n'était pas autant productif. Puis tout, qu'est-ce qui s'est passé avec Sea Dogs qui s'est fait échanger après ça, ben, c'est, ça a été. Moi, j'ai même pas eu conscience qu'il s'est fait échanger. Je me rappelle qu'il s'est fait drafter premier total en première ronde après il y a eu Justin Robida. Mais j'ai pas eu connaissance de l'échange qui avait été traité. C'était contre plusieurs choix de première et tout ça, en tout cas. Ok, ouais. Mais tu sais, les. Qu'est-ce qu'il est rendu? Il est quoi? Il est à Charlottetown, je pense? Non, il était à Sherbrooke. 73 Sherbrooke. Points, 7 matchs, me semble. Il a fait 6 points. Là. Ah, il a fait. Oui, c'est vrai. Hier, il y a Marner et Roy qui font 6 points. Deux ligues différentes, mais 6 points quand même les deux. Là. Ben, les dernières games de Chabot qui ont gagné 9-2 puis 9-1, me semble. Ok, ouais. Bon, une contre les Foreurs, Calis. Ouais. Ah, fuck. Mais non, les Foreurs. Depuis Manta, les Foreurs ont perdu Manta, 10 à 4. Là. Perdu 10 depuis, à 4 aujourd'hui. J'étais censé faire Manta, la tout, mais j'ai oublié comme un colon. Ouais, depuis c'est Manta, je suis fan des Foreurs. J'aime bien les Foreurs depuis ouais. Manta. Ouais, Manta, ça a été un gros, le dernier gros joueur de concession qu'il y a eu à Val-d'Or. Ben là, Robida, c'est quand même pas pire. Ouais, Robida, il y a des estimements, sérieusement. Moi et Pizak, on a vu jouer une coupe de game, tu vois qu'il y a la vitesse. Hein. Oh, shit, on a perdu Zach. Qu'est-ce que c'est que il va revenir. Je sais pas, son ordi doit avoir plus de batterie ou de quoi de même. Il a crash, on en dit. On va continuer à parler en attendant parce que c'est le prochain segment, mais Sean Farrell aussi, ça a été un vol pour le Canadien. Ouais, je pense qu'il a joué aux Olympiques avec les États-Unis. Ouais, je sais que je l'ai vu au Mondial Junior pendant quelques matchs avant qu'on l'annule. Mais ouais. Ouais, Zach, il vient de texter qu'il revient. Mais ouais, c'est quand il s'est fait drafter qu'au fil, il a partagé ça puis il a dit c'est un vol. Qu'il prenne Sean Farrell. Je vais aller voir comment il s'est fait drafter. Je pense que c'est en quatrième ronde, 124e. Ouais. En quatrième ronde. C'est bien. En vrai, il est bon. Sean Farrell, je suis surpris. Harvard, il y a 19 fois en 18 games. Okay. Ah, c'est bien. C'est bien. En vrai, c'est bien. Ouais, sérieusement, Zach, il va revenir. C'est quoi ça, Zach? Là, là, là. D'où c'est passé? Passé? Je n'ai pas fait d'exprès, je sais pas c'est quoi que c'est passé. Non, c'est bon. C'est comme moi au début, genre. En fait, parce que pour moi au début, c'est parce que j'ai envie de faire le X pour fermer le chat, j'ai fait la flèche. Genre, ça m'a comme fait quitter au complet. Ben, c'est la beauté des lives. Donc là, on va passer à la mise en échec. Claude, tu peux nous envoyer ça. Mise en échec. Yes. Mise en échec, ça. On en parle tout le temps, mais c'est Romanov qui a plaqué Suzuki, mais après ça, ça a été le contraire, puis ça qui a tombé sur lui. T'as dit que j'ai revolé. Parce qu'on l'a repris au moins une dizaine de fois, mais je me faisais ramasser, mais on le voyait pas. Fait que j'étais comme Chris, on va m'amener, je vais. M'amener à avoir un mat partout, on va arrêter ça. Ah ouais. Ok. Là, c'était à mon tour, Zach. Ouais. Ok. On va commencer par. C'est une histoire qu'on a su sur vous. Fait que je vais commencer avec Justin. Ça a l'air qu'une fois, tu t'es fait plancher à NHL par un de tes amis. J'ai peur de ce que tu vas dire, toi, par exemple, après. Ouais, t'as bien raison d'avoir peur. En fait, c'est notre Panthers fan sur TikTok. Ouais. Le gars, on se connaît depuis bien longtemps dans la vie. Depuis, je pense, ça fait peut-être 6 ans qu'on se connaît. Fait que de temps en temps, on se voit, on joue à NHL, on joue au hockey dehors. Fait que, il est témoin que j'ai un potentiel, il en est témoin. On fait du 1v1 sur une glace de temps en temps. Mm-hmm. À NHL, là, je me suis fait battre 5-0. C'est la première fois que je me suis fait blanchir dans toute ma vie. C'est toute mon existence. En plus, j'avais pris les Sharks. Fait que, j'avais les Sharks. Mais maintenant, j'avais Toronto. J'avais pas Ottawa. Cette fois-ci, j'avais Toronto. Ouais. Et je me suis fait planter 5-0. Pour ça, Steve, t'as choqué. Mais il y a une game aussi qui m'avait dit que tu menais 3-0 jusqu'en troisième période, puis t'as remonté. Oui, c'est. je m'en veux encore. Je menais 3-0 en troisième. Puis je pense que ça a fini overtime, ça a fini 4-3 pour lui overtime. Ouais, c'est ça qu'il m'avait dit de ça, que t'avais perdu en overtime contre lui. Toi, tu joues à Superstar, genre Elite. Là. Ah, mais non, mais c'est pas NHL, j'ai un NHL 15, là. J'ai pas le niveau de NHL 20, moi, là. Au final, c'est lui le plus fort de nous deux, puis c'est moi qui le bat assez souvent. J'ai juste un NHL 15 sur ma 360, là. J'attends juste ça, moi, d'avoir ma One, puis de rejouer sur mon NHL 20, puis
restarter à pro puis monter All-Star puis Superstar pour au moins le clencher. Même que ce qu'on peut retour à le battre comme une mort. Pour moi et puis Seb, Natural 20, c'est déjà rendu vieux. On est rendu sur le 22, nous autres. Moi tout. Ah, je sais, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais ça, j'avais les Leafs, puis il y avait les Sharks quand il m'a fait mon 5-0. Oh, tabarnouche. Oh, fait que je te laisse l'histoire, Alexis, Zach. Ah là, je suis pas prêt, non. Alexis, après ça, Justin qui va nous raconter hier. Ouais, pas de problème. Okay. Fait que Alexis, c'est quoi cette histoire-là, se réveiller pris dans un char en allant en Floride? C'est ton frère. Hein? J'ai contacté ton frère. Ah, oh, t'es pas sérieux. C'est ça la mise en échec? Ah, oh, t'as marre. Ben, dans le fond, on avait comme une petite Elantra. Moi, j'étais tellement... T'as pas mal avec une Elantra. Non, mais c'est ça, il y a comme pas de place. Fait que là, mon frère, il me dit, couche-toi là où les pieds, là, où on met nos pieds à terre. Couche-toi là, puis il m'a dormi sa banquette. Mais j'étais tellement fatigué, moi, Chris, je voulais dormir. Il dit, OK. Ça rentrait, là, mais quand je me suis réveillé, ça sortait plus. J'ai comme eu de la misère à ressortir pas mal. Fait que, ça, je vais m'en souvenir en t'emmenant de ça. Mais il s'est passé tout un autre affaire en Floride que je pourrais dire, que mon grand-père m'a fait. Ils ont mangé de la crème glacée, puis moi, ben, j'en voulais encore. Fait que là, il me dit, en veux-tu? J'ai le goût. Fait que là, il me dit, pas une... donne sa dernière cuillère, mais c'était une grosse cuillère. Fait que là, j'arrive, je prends ça d'une... au complet. Elle est crachée tout de suite, c'était de la mayo. Oh non! Je te dis que ce voyage-là en Floride, m'en souviens d'avoir mené. On a des bons contacts, puis ça a les bonnes histoires. Ah, le tabarnak. Ben, moi, au moins, je me suis caché comme ça. J'ai pas des histoires réelles de voyage en Floride pour me cacher. J'aurais des bonnes histoires, mais vous n'avez pas de contact pour. Ben, j'ai contacté Panthers fan. Je pensais qu'il n'avait une bonne, mais finalement, c'était quand même pas si pire. Mais on va continuer avec ton expérience. Un 5-0 avec les livres, ça. Ouais. J'ai peur, par exemple, que tu dises autre chose pour ça. Mais bon. Comment ça? As-tu autre chose à me dire? Non. Non? je m'attendais pas à ce que tu dises ça. Non? C'est quelque chose que tu vas lâcher et que je ne vais pas savoir quoi répondre. On en apprend dans la mise en échec. Ouais, c'est ça. Donc, on a Seb et Zach là, qui nous plaquent à deux. Là. Moi et Alexis nous plaquent à deux. Là, en sandwich. Justin, on va continuer avec ton expérience hier à l'aréna des Sénateurs d'Ottawa. On veut que tu dises. Deux petites minutes, les boys. Ouais, c'est bon, pas de trouble. Fait en fait, pour ce qui est de cette histoire-là, bien sûr, j'étais avec Sam Gagnon. Yes. Il m'a fait le lit, j'ai payé le stock. Donc, son souper, c'est pas son souper, mais genre, j'étais dans un dépanneur, j'ai acheté quelques affaires. On a mangé dans le char avant de rentrer. Mm-hmm. J'ai payé le stationnement. Il m'a quand même fait. Il a quand même roulé pendant quasiment 10 heures, lui, hier. Là. Tabarnak. Il part à midi, puis on arrive à 2 heures chez nous le matin. Là. Oui, shit, OK. Fait que toi, tu restes fait où? Oui, je suis à Laval. Et lui, il est à la chute. Oh, shit, OK. Ça doit déjà faire une heure pour aller à Laval. Après ça, on doit faire 2h30, 3h pour aller à l'aréna. Fait que ça, pour ce qui est du match, c'est ma deuxième expérience. La première fois, c'était avec... ça aurait été une bonne chose à dire. La première fois, c'était avec mon père contre les Rangers en février 2018. Mm-hmm. Ottawa, ça avait fini 6-3 pour Ottawa. Mm-hmm. J'avais Anderson devant le filet. Je pense que c'était la dernière fois que je voyais Anderson à Ottawa parce que Christ, il commençait à être vieux puis il commençait à être moins bon. Mais c'est ça. C'était le début de la reconstruction. Fait que je pense que c'était une des dernières fois que j'allais voir Murray jouer. Là, fait que Murray, Anderson jouer. Fait que mon père à chaque but, le gars il se fout du hockey, fait que c'est pas le grand plus grand fan du hockey, c'est pas un fan de sport non plus. Fait que quand t'as le pire partner de hockey possible, fait que les Suns marquent 6 buts, puis je suis trop gêné pour me lever pour célébrer. Oh non. J'ai mon père à côté qui est trop gêné pour écouter une game de hockey, il est sur son sel, il regarde pas la game. Puis moi, ben vu qu'il ne suit pas, ben je suis gêné comme le Christ. Fait que quand il y a un but qui est marqué, j'ai entendu 6 fois la sirène cette soirée-là.
Puis Chris, je suis même pas capable de me lever pour le son de la sirène. Oh non. Oh, c'est bad. Moi, que tu sois dans un aréna de la NHL, mais tu t'en fous de la game. Mon père, c'était incroyable. Pour ce qui est de hier soir, là, je vais revenir à hier soir, comme je disais avec Sam Gagnon. Ferme ta gueule, toi. Mais c'est ça, fait que, comme vous pouvez voir, j'ai pas ma voix de d'habitude. J'ai même pas fait de TikTok pour faire un résumé d'hier. J'ai juste envoyé mes vidéos avec moi qui gueule Go Sandy Go parce que Chris, j'ai pas la voix pour live. Là. COVID-19, tabarnak. Non, c'est plus le cri de Go Sandy Go, il t'a fait de mal à la gorge. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais quand j'ai vu, je vais juste une chose à dire. Refuse Talk. Je l'ai crié dans l'aréna. Après, surtout après Peter Gallagher, je pense que genre c'est Kulak qui tombe. Le Gallagher qui tombe en arrière, puis je pense que c'est Holden ou Zoop qui passe en arrière, puis qui trébuche sur le bâton de Gallagher. Gallagher était à terre. J'ai pas compris cette pénalité-là, là. J'ai eu des refs là-dessus, là. Je faisais partie d'un Rapsman pendant quelques secondes. J'ai eu les arbitres pour cette pénalité-là. Là. Chris. Mais pour le reste de la game, j'ai quatre joueurs que j'ai pas tant remarqué. Petrie, j'ai vu quelques mauvaises passes. J'étais déçu. Gallagher qui a pris deux pénalités complètement inutiles. Plus, mais en fait, il y a une pénalité que les refs ont pas call, que Gallagher méritait. C'était la shot sur Murray. Il a poussé un petit peu Murray en tombant, mais il a poussé pareil. Ouais. Obstruction. Les refs n'ont pas call, c'est un petit peu normal. Les refs, ils étaient avec toute la soirée. Sinon, un autre joueur que j'ai pas vu pour le Canadien, comme j'ai dit, c'est Petrie. Il y avait quelques joueurs tranquilles à Ottawa. Ben, ils jouaient à 5 défenseurs et 11 attaquants. Fait que, 12 attaquants. Fait que, c'était un joueur de plus qui devait pas être là. Mété, il doit jouer pas mal. Ah, Mété, il a joué pas mal. Je pense que j'ai vu qu'il a joué peut-être 22 minutes, Mété. J'ai vu souvent... Alexis, la passe à Alexis. Mété a fait une passe sur le but de White. Puis sur ma vidéo, je l'ai prédit. Colin White allait marquer. Je l'ai prédit, je le savais. Ouais, dans le groupe TikTok hockey aussi, tu l'as prédit sur Messenger. Ah, je le savais. Colin White! Wouh! Je le savais. Puis deuxième star de la game, Colin White. Je le savais, je l'avais dit. Là. Merci. Mais par contre, Amen puis Murray, ils nous ont donné une next game de goaler. C'était incroyable. Murray Gold comme du monde. Depuis son passage à AHL, Alexis, va t'informer. Ça va faire du bien. Hey, Just Lucky, on a une autre histoire pour toi qui vient de. Attends, c'est qui, j'ai vu. Je pense que c'est Mathieu Duguay. Ouais. Oh! 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 Merde! Oh, les deux, on a essayé. Voyons. Vas-y, Claude, je te le laisse. Avec sa balle de tennis dans l'œil. Quoi? Mais voyons. J'ai pas de avec ça, moi. On l'attend. J'espère qu'il n'a pas de mes amis dans le rêve, sinon je suis encore liste de mort. Ouais, il y a 5 personnes, donc on va espérer que oui. Mal partage en fait, j'ai rien à dire là-dessus. En fait, d'où t'as entendu ça? J'espère que c'est pas pour moi parce que je sais pas où est-ce que t'as entendu ça. Craig Anderson. Ah oui, c'est vrai, c'est bon, je l'ai. Oui, en fait, pendant j'ai vu ça dans une story. En fait, là, c'est pas tant moi, c'est pour Anderson. J'ai vu ça en story. Le gars, il a reçu une balle de tennis dans l'œil. Je pensais que c'était pour moi. Là. Je pensais que Matt Duguay il parlait pour moi. J'étais comme, j'ai rien à dire là-dessus. Qu'est-ce que de quoi qu'il parle? Non, ben, il disait que c'était pour Lucky, fait que... Ben, c'est ça, ouais, j'ai vu ça passer pour Anderson. Tu as reçu une balle de tennis dans l'œil? Oui! J'aurais adoré être présent, parce que moi, qui fais un petit peu de tennis dans la vie. Bien sûr, j'aurais pas visé son œil, là, je suis pas calme, mais... Ben oui, je joue au tennis, je fais du hockey, du soccer, du tennis, je fais un petit peu des trois, là. Moi, je joue un peu au tennis aussi. Pas bien, c'est bien. Très bon, le tennis. C'est très bon le tennis. Je suis pas un pro de tennis, mais je joue avec mon frère des fois, puis je suis pas mal sûr. C'est bon ça. Ah, fait qu'on a passé la section des histoires, on va passer au tir de barrage. Vous allez voir c'est quoi. Tir de barrage. Oh, une très belle pinte de Datsyuk. Oh shit! Avant Datsyuk! Fait que Zach, je te laisse commencer.
OK. Ben, Seb, dis-moi, Alexis ou Justin? Justin. OK. Ah! Justin, d'où te vient l'amour des Sens? L'amour des Sens me vient en 2007, quand j'ai commencé à écouter le hockey. Moi, je vois les Sens faire une très bonne saison. Un très bon parcours en série éliminatoire. Ce qui m'a fait bander sur les Sens, le trio Spezza, Alfredson et Hitley. Le trio m'a fait bander du début à la fin de la saison. Spezza, 92 points. Je pense qu'Alfredson avait genre 75 points ou plus. Hitley, même affaire. C'était vraiment une saison exceptionnelle. Mais ça ressemble à ça, les stats pour les boys. Je sais que Spezza, je le connais par cœur. Je le connais par cœur, Spezza, 92 points cette saison-là. C'est l'année qu'ils se sont rendus en finale contre Anaheim. Les Ducks, ils se sont plantés. Ouais, contre les Ducks, ils se sont plantés en 5 matchs. Moi, je votais pour. Ben, les Ducks, il y avait une SD d'équipe. Il y avait un an. Funger, puis il y avait une SD d'attaque encore. Gassiard, Dernier, Perry. Puis tout le monde était déjà à leur place. Puis Ottawa, c'était Ray Emery, je pense, devant le filet. Là, fait que en série, ça allait pas être énorme. Là. Non, c'est sûr. Il faisait ce qu'il pouvait devant le filet contre les Ducks, mais à un moment donné. Ah ouais, c'est sûr. Puis au moins, ça n'a pas été un balayage. Puis ça, je suis bien content, c'était pas un balayage. Mais comme nous autres, comment c'est à la finale l'année passée, une chance, ça n'a pas été un balayage. Eh ben, non, mais j'étais sur le point d'appeler Bergevin. T'as des joueurs qui jouent pas, tu m'appelles-tu, moi? Je vais jouer, moi. T'as des contacts avec Bergevin? J'aurais dû. Parce qu'en vrai, c'est parce que genre avec des amis, je joue au hockey. Et on me compare un peu à un style à Mark Stone. OK. T'es mal pris en ce fait que... comme Mark Stone, j'ai une bonne vision de jeu, j'ai un bon lancer, j'ai un bon repli défensif. Mettez-le. Et mes amis me comparent à un Mark Stone. Bien sûr, j'ai juste 20 ans, fait que j'ai pas la fougue et le talent de Mark Stone live, mais mes amis me comparent à Mark Stone. Wow, fait que j'aurais peut-être pu sauver un petit peu la peau du CH. Puis c'est ça que je disais avec mes amis. Moi, tu me mets à la first avec Dano et Lekkonen ou un bon trio offensif. Tu me mets à la place de Byron avec Suzuki puis Drouin comme en série. Non, c'était pas Drouin, c'était Suzuki puis Suzuki puis Caulfield. C'est vrai, Suzuki puis Caulfield. Et tu me mets à droite ou à gauche, tu mets Caulfield sur l'autre aile, puis là, Suzuki au milieu. T'as un trio de malades. Alexis, c'est qu'est-ce que t'as dit? J'ai-tu compris un premier trio avec Dano puis Lekkonen? Oui. Tu le mets à la place de Gallagher, à la place de Lekkonen, un ou l'autre. T'as un trio de malades, t'as un Mark Stone né, pis t'as les deux autres. J'aurais peut-être pu sauver un petit peu la game du CH. Là. Au moins, ça aurait peut-être fini en 6 à Montréal, mais au moins, on aurait fait quelque chose. J'adore ce que Mathieu a écrit dans les commentaires. Claude, peux-tu le mettre? J'adore. Qu'est-ce qu'il dit encore, là? Ça me fait peur. Je suis sûr que c'est encore de ma faute, là. Version chine. Matt, j'ai 20 ans, je te rappelle. J'ai juste 20 ans, là. Je suis le Mark Stone de Wish, là. Version Wish, t'es pas encore arrivé. C'est ça. Moi, Alexis, bon, ton amour des Sharks. Honnêtement, je sais plus trop quand ça a commencé. Ben, c'était pas mal, genre, l'année, comme avant qu'ils se rendent en finale. Mais 2015, je pense. Je commençais à les aimer un peu comme ça, puis genre Toll après ça. C'était tout avant, c'était Thornton, Marlowe ensemble, là, que j'aimais plus, tout ça. Mm-hmm. Nabokov, ça a tout le temps été un goaler que je l'ai dans mon cœur, ce goaler-là. C'était une scène. Ah, c'était un espèce. Mais comme, tu sais, avant, mes équipes, c'était Montréal, Los Angeles, puis Chicago, c'était ça un peu. Mm-hmm. Mais tu sais, rendu après ça en finale, tu t'enfonces contre Pittsburgh, ben là, l'amour a remonté en tabarnak, pas dire. Là. C'est Pittsburgh, pour moi, j'ai dans le fond du tube, puis c'est la tête. Fait que c'est pas mal à partir après ça de là, je sais pas, les Sharks, ça a resté, puis ça a continué de même, là. Mais non, Pittsburgh, une équipe s'affronte contre eux autres, là. Nashville, j'ai commencé à les aimer à cause de ça un peu plus, mais c'est pas autant. Oui, mais Nashville, c'est Ottawa qui les a affrontés, Pittsburgh n'a pas marqué trop au deuxième overtime en septième game, là. C'est Ottawa qui les a affrontés, Nashville, puis c'est Ottawa qui s'est réuni avec la coupe, parce que Nashville n'a rien fait contre Pittsburgh, là. Ottawa aurait fait la même affaire. Je sais, mais ça reste que Pittsburgh, c'est une team de mal. Crosby ne vaut pas de la mal. C'est une face de graine, puis c'est la titre. C'est le pire joueur de la ligue. Je voulais dire, ouais, c'est ça, tu cherches un gilet d'un taux signé, ce que j'ai vu sous CF31. Ouais, j'ai dit ça à un moment donné. J'ai dit, si à un moment donné, un chandail d'un taux qui sort, je l'achète, mais il ne faut pas que je dise ça. Chris, ils vont en acheter un. Ça va t'en acheter un, c'est ça que tu as dit?
Non, mais ils vont aller en acheter un. Ah, ils vont aller en acheter un juste pour toi. Oui, mais un tour à ce prix, il est bien des rumeurs, fait qu'il risque de partir. Ah, ça, dis-moi plus ça. Ah non, dis pas ça. Je veux pas qu'il boive. Il va arriver à l'avant et il va me défoncer là, avec sa bouteille de bière. Là. Ouais. Non, mais attention, texte, ça marche. Genre, soit, si ça fait changer, c'est soit Montréal, Colorado, je serais, pas, ça, je serais quand même content. Mais ça reste que. Les Sharks, man. Yeah. Ma collection de cartes. Non. Ouais, je les ai vus. Ouais, là, tu l'as montré un petit peu. Ouais, mais là, ils sont pas là. Là, c'est une question que je pose dans, dans les commentaires au tout début. Tu avais dit, montre pas ta collection de cartes, je pense. Ouais, c'est Brian Berbé. De toute façon, non, sont chez moi pas. Ok. Là, c'est une question qui va aux deux. Qui a gagné l'échange d'Eric Carson d'après vous? Alexis, tu commences. On a déjà la réponse, je pense. Je peux te quitter? Non. Mais je pense que je vais être plus détaillé qu'un fuck you. Fait que t'as-tu de pas à détailler, Bourque? Vas-y. C'est bon. Je vais détailler plus que Bourque. Ouais, en vrai, pour ce qui est de l'échange Carlson puis Perron, parce que c'est Francis Perron aussi qui est parti à San Jose. C'était deux choix de first, un choix de 3 puis un choix de 5, je pense, quelque chose de même. Avec Turney puis l'autre, là, c'était qui? Tu peux le dire. C'est ça. L'autre, je ne sais plus c'était qui. Demelo. Demelo. Je pense que c'est Demelo. Ouais, Demelo. Ouais. Demelo, il est rendu à Winnipeg. Ouais. J'ai comme perdu le fil. C'est ça, il est rendu à Winnipeg, Demelo. Ouais, c'est Rick Carson, Francis Perron, en échange de Turner, Demelo, Norris, Balser, un choix de première ronde de mai 2020. Un choix de deuxième ronde 2019, un choix de deuxième ronde 2021. Le conditionnel est devenu... je pense qu'il y avait un conditionnel qui est rendu un deuxième round. Je pense que c'est le troisième round qui est devenu un deuxième. Ouais, ouais, c'est vrai dessus. Puis, c'est ça. Pour, puis ça, c'est le choix de cette année, c'est Jimmy Stu. Je suis très... le choix de la première round qui était conditionnel... il est devenu un Jimmy Stu. Puis pour vrai, le gars, il m'impressionne. Comme deuxième année, c'est moins bon que l'an passé. Ouais, il connaît sa gang la deuxième année. C'est pas évident. Mais il est pas pire. Il est très, très fort cette année également. Il fait qu'est-ce qu'il peut. Puis je l'ai vu hier, là. Je l'ai vu failli marquer contre Amen. Là. J'étais bandé. J'étais comme, let's go. Mais c'est ça. Pour vrai, je pense que si je dois mettre des détails, Carlson et les Sharks, ils l'ont signé beaucoup trop cher. C'est une perte pour les Sharks. C'était pas le meilleur choix à faire. Mais comme que... Il mouille le petit Allemand. C'est quoi t'as dit? Et... Ouais, le petit hommage. Le petit Allemand, là, je l'aurais bien pris mon tour. Jimmy Stu. Salope. Salope! Ben, comme je peux parler pour Tim Stutzel, là, il est dans la game de la deuxième année. C'est souvent ça que les joueurs font. Comme je viens de checker les stats de McKinnon à sa deuxième saison, il y a eu 38 points au lieu de 63 l'année d'avant. Fait que c'est souvent la game de la deuxième année. Ben, confirme, de gang de deuxième année. Puis en vrai, là, depuis l'arrivée de Saint-Louis, Saint-Louis pourrait, je l'aurais fait venir beaucoup plus tôt. Parce que Montréal, ça fait trop longtemps qu'ils sont dans la marde. Je veux bien croire qu'on voulait protéger Ducharme. Ouais. Mais à un moment donné, Ducharme, il parle plus, puis il avait plus le respect de son équipe. Là. Non, fait c'est que ça. Saint-Louis, je l'aurais fait venir beaucoup plus tôt. Puis Montréal serait dans la course aux séries prochainement si. Moi, j'aurais pris cette décision à la minute que Ken Hughes y a rentré, ça aurait dû être ça son move. Le problème aussi, c'est qu'ils ont pris beaucoup trop de temps. Genre, Petrie, là. Depuis novembre, fin novembre, que je l'aurais benché, là. Non, je sais pas pourquoi il est là depuis fin novembre. Genre, il joue mal, il est plus d'accord avec Ducharme. Il aime plus son coach. Depuis de fin novembre, qu'il joue plus Petrie, là. Depuis novembre, que je l'aurais benché, j'ai arrêté Bergevin et Kent Hughes. Ben, Petrie, je l'aurais benché, je m'en tabarnak. Je l'aurais benché. Ouais. Mais tu sais pourquoi, là? Ben, je sais pourquoi je l'aurais benché. Tu sais comment qu'il joue? Ah, mais tu sais pourquoi qu'il joue de même et tout. Ben, check, depuis que Saint-Louis est arrivé, il joue super bien Petrie. À part hier qu'il a une game plus difficile, mais c'est une question de coach. C'est sûr, c'est une question de coach, parce que depuis que Saint-Louis est là, il joue quand même bien. Ouais. Moi, j'ai une autre affaire à dire là-dessus, par exemple. C'est probablement parce qu'ils ont dit, si tu veux te faire échanger, puis aller aux États-Unis, retourner avec ta femme, joue comme du monde, parce qu'on ne peut pas t'échanger. Surtout que sa femme hier, il a pas bien joué hier. J'ai vu 4 interceptions de Petrie hier. Une game que tu te casses ta gueule, ça ne changera pas grand-chose. Non, c'est sûr.
Ouais, mais là, contre Ottawa, ça devient autre chose. Ouais. Ça reste qu'il joue de même à cause que sa femme a sacré de camp aux États-Unis parce qu'elle était plus capable d'être au Canada avec les affaires. Qu'il... Une tabarnak de vicieuse. Pardon. Ouais, comme toujours. Ouais, ouais c'est contre... ça, pas une donzelle au cas où. Non, mais c'est ma liste. Ok, ok, ok. content du rendement de votre équipe cette année, les gars? Oui. Honnêtement, quand même, ben, tu sais, même si je suis pas en playoff, là, mais mm-hmm. En parlant des Sharks, soir, tu sais, on m'a mis. Moi, je suis. Attends. Ah, continue. Ouais, vas-y, continue. Et tu sais, quand même, on n'est pas dans la. C'est quand même dans le bas, là. Un bout, on était en mode peut-être playoff, là, non, là. Mais tu sais, ça reste que depuis qu'on a débarrassé de notre ordure, ben, ça va bien. Ça vient de l'événement. Vendor Kane, il est parti à Edmonton, t'es bien content, okay. Il est parti, il est plus t'sais, là. C'est un jeu. D'après moi, c'est surtout à cause de ça. Puis honnêtement, man, James Reimer, depuis quand tu sais gauler? En vrai, c'est un true fact. Genre, depuis quand tu sais gauler, Reimer? Là? Quand tu sais gauler? Tu sais, quand tu savais gauler, c'était quoi, man, à Toronto avec Jonathan Bernier? Ouais, c'est ça. Même là, ça a fait l'année qu'on a eu. Depuis 2015 que je le vois mal gauler, il était pas capable. Puis l'autre, là, je cherche son nom. Hey, boy, moi aussi, mais. Non, c'est plus il, parce que il est parti. Ouais, c'est. Je sais plus. Attends, ça, attends de checker. Ouais, c'est bon. Ben, c'est ça, genre. J'ai... C'est plus il est parti. Non, il est sous Boulan, mais avant même, je sais plus. C'est. Moi, je veux juste Aden. Ah, Zachary, ça se peut-tu, Zachary Shashchenko? Ça se peut-tu? Eh hey boy! Bon. Ça se pourrait, j'en ai aucune idée, moi, là. Ça se pourrait. Il me semble qu'il y en avait un autre, tout. Je sais plus, honnêtement, maintenant que les games, j'y suis quasiment plus. Je suis quasiment rendu découragé. Ah, pour moi, Zach, pour ce qui est d'Ottawa, pour ceux ici, quelqu'un qui a vu mes vidéos TikTok, Ottawa, je les avais prédit 19e dans la ligue, ils sont 26, fait que j'ai un petit peu déçu. Je me suis dit, c'était peut-être le début de la relevée, mais au final, c'est encore triste à voir un petit peu. Mais hier, j'étais pas déçu, et quand on s'en fait à jouer comme du monde, genre, depuis 3 ans, ça jouait mal. Parce que les jeunes n'avaient aucune expérience. Là, les jeunes ont pris l'ambiance, ils ont pris de l'expérience. Ils jouent très, très bien. Puis là, je suis bien content d'avoir Murray devant le filet parce que hier, il nous a sauvés en tabarnak. Parce que si c'était pas de Murray, là, ça aurait été un beau 5-1, quelque chose de même. Montréal a très, très bien joué hier, contrairement à avant Saint-Louis. Un update dégoleur des Sharks, c'est James Reimer, Adin Hill, puis Zachary. Zachary, Sashenko, c'est ça? Sashenko. Il a joué 2 games, 20 minutes. C'est juste. Non, Hill, on avait été chercher contre un autre goalie. Là, ouais. Chez Gérard, il me semble qu'il croyait pas plus au goal. Ben non, il faut même pas. Ouais, Reimer, il fait qu'est-ce qu'il peut avec cette équipe-là. Tu peux continuer. Il parlait de reconstruction. Ouais. Dans les Sharks, il parlait de reconstruction de tout ça. Mais tu sais, tu t'en vas chercher, genre, c'est comme Cagliano, des enfants dans le monde. Ouais. Surtout quand Carlson il dit Carlson à sa nausée là. Il est plus Carlson à sa nausée. Ouais, bah, il est plus longtemps que les Sharks que moi je suis là dans ce monde. C'est pas des blagues. Puis David Poile à Nashville aussi, il était là avant moi, il est là depuis 96, David Poile, je pense. J'avais un an en 96. Pour ce qui est que. Parce que je voulais partir de quoi sur Carlson. On t'entend ouais, pas. Ouais, Zach, il est muet, Zach. Je suis muet, là? Ouais, non, ouais, c'est bon. Non, j'ai dit, j'étais même pas d'implant en 96. L'as-tu déjà été? Moi, j'étais d'implant parce que ma mère voulait 6 enfants, fait que moi, j'étais d'implant. 6? Ouais, non, voulait 6, puis on en a 6. Tabarnak. Bon, nous autres, on est 100. Moi, j'étais d'implant, au moins, fait que... Quoi t'as dit? Mais j'ai dit que moi j'étais des plans parce que ma mère en voulait 6. Ok. Ah mais Chris, 6? Man, ça te fait un trio, un duo de défenseurs plus un goaler, c'est long et là. Moi tu mets l'aile gauche puis on est en business. Mais ouais, tu le disais quoi rapport à Carlson? Ouais, pour Carlson, j'ai vu ça passer. Si les choix qui se partent en reconstruction, lui il veut pas être là. Ben, Chris, t'es payé 11,5, penses-tu qu'on va t'échanger? Faut qu'on te retienne 75% de ton salaire pour que tu pars. Mais je veux bien, là, mais c'est ça que ça donne, là. Il est payé 11,5, puis il veut partir.
faut qu'on retienne 75% de ton salaire. Si tu veux ben, il va aller dans les Coyotes. Non, mais c'est pas pour rien que je pense. Il va jouer avec Chichuin. Va regarder les contrats que le DG donne à San Jose, puis la longueur, puis... C'est ça le problème. Il en donne trop. Genre 2026, c'est ça. Carson, il est là jusqu'en 2025. Carson, non, même pas Carson, 2027, genre. Ben, c'est tous des contrats de fou, man. On a trois défenseurs qui nous coûtent genre 30 millions. Tu sais. Ouais, Burns, Vlasic, peut-être Burns, 9,5, quelque chose de même. Vlasic, 7,5. Puis Carson à 11,5. Ouais, c'est colombe. Ah, c'est genre d'avoir Vlasic. Ouais. Vlasic, man, il... Tu n'entends même plus parler, Ben. Le monde pense même plus qu'il est dans les. Non, mais Vlasic, il est tranquille cette année, c'est incroyable. Ben, ouais, t'avais raison. Carson, il a été signé jusqu'en 2026-2027 à 11,5. Et voilà. C'est mon ancien capitaine. Qu'est-ce que je te dis? Je le savais. Il y a 14% de la masse salariale des Sharks. Oh, tabarnak! Je veux pas faire mal pour lui, mais c'est ce qui est ça. Vlasic. Vlasic, 7,5. 7,5, c'est un petit peu moins de 10%. Ah! Peut-être 8% de la masse salariale. Vlasic est signé jusqu'en 2025-2026. Oh, tabarnak! 9,33. Il y a... Présentement, il y a... 34 ans. Vlasic, jusqu'en 26? Ouais, jusqu'en 26. 34 ans. Fait que dans 4 ans, il va avoir 38 ans à la fin de son contrat. Ouais, il s'en va après, il s'en va. Il va même repartir avant la fin de son contrat, il s'en va. Bon, fait qu'on a fait le tour de ce sujet-là. On ne pas signer un tour à cause de ça. On veut savoir, c'est quelle votre deuxième équipe préférée? Bon, nous, on connaît les deux. Ouais, toi, c'est Montréal, là. Montréal ou Chicago? Montréal puis San Jose, c'est comme un gage. OK, mais dis-moi ta troisième d'abord. Colorado, OK. Moi, je suis assez partagé parce que j'ai les Suns dans le cœur depuis 2007, là. Mm-hmm. Fait que je suis assez partagé dans les équipes. J'en ai trois à égalité pour la deuxième place. Ah, vas-y. Dallas, Edmonton puis Pittsburgh. J'étais sûr que t'étais trop. Bye-bye. Je suis partagé pour les trois parce que je suis un fan des Suns depuis 2007. Là. Je ne peux pas avoir de deuxième favori, c'est impossible. Comment tu peux voter pour Pittsburgh quand ils t'ont éliminé en demi-finale et qu'il y a Crosby dans tes... Crosby, je l'adore. Je suis bandé chaque fois que je le vois jouer depuis toute sa carrière. Fait que... Ah, mais le monde ne comprend pas pourquoi j'aime pas Pittsburgh. J'ai déjà expliqué, mais bon. Ouais. Ben, c'est comprenable. Tu le dis, c'est comprenable. Ben, fais un rappel si tu veux, mais c'est comprenable, t'as raison. Ben, c'est que dans le fond, à mon école, quand j'avais genre 6 ans, ben nous autres, on était comme, tu sais, en deux gangs, on faisait des séries au soccer, puis c'était comme les fans du Canadien puis les fans de Pittsburgh qui s'en rendaient compte. Mais c'est qu'à chaque game, on s'écœurait, puis genre, on faisait des 4-7 au soccer, puis ça s'écœurait pareil. Fait que ça a juste resté depuis, puis j'ai jamais aimé Pittsburgh à cause de ça. Fait que c'est fort. Non, man, je suis genre, arrête ça, man. Là, j'étais comme, arrête, man, Kamel Harvey, il faut le fort. Quand tu t'es rendu que tu compares Kamel Harvey à Crosby, mais bon, ça devient quelque chose, là, quand tu compares Kamel Harvey à Crosby, là, ça devient quelque chose. La finale Pittsburgh vs Sharks. Ça a été une grosse croûte sur le cœur de plus. Ben juste, je me rappelle, quand Pittsburgh avait éliminé les Sens, on était en sortie scolaire. C'était genre un genre de. Il y avait tout plein de petits chalets. Ça, c'est la fin de Nashville. Notre chalet, c'était tous des gars de hockey. Là. Puis on écoutait ça. Puis là, ben, c'était qui donc? C'était-tu Kunitz donc qui avait fait le but? Je sais plus. Maintenant, c'était Chris Kunitz, ouais, contre Ottawa. Là. C'est Chris Kunitz. Ouais, pour les éliminer, j'avais tellement. Quand j'ai vu prendre sa retraite, j'étais vraiment content. J'ai vu prendre sa retraite, Kunitz, là, j'étais bandé. J'étais comme, let's go, dès Chris. Ah, ça me fait chier. Ottawa, il aurait pu aller en finale. On aurait pu enfin avoir une team canadienne en finale. Mais là, on a eu Montréal, mais ça reste que. Pas que Montréal. Ils se sont fait planter une limite en 5, là. Puis ben, si ça n'aurait pas été de moi qui a appelé, j'ai des contacts, je m'en fous, j'ai appelé Drouin. J'ai dit, t'aimes pas mon jeu de même, puis j'ai affronté ça comme ça. C'était quelle place? Ah, c'est pas vrai, mais j'aurais aimé avoir des contacts avec Drouin pour qu'il puisse appeler le CH, puis. T'étais quelle place? Quoi? C'était quelle place dans la ligue?
En 2017, ça? Ben non, non, je parle l'an passé. L'an passé, devant les Canucks en division canadienne. Il veut pas trop le dire, sinon. On a fini devant les Canucks, c'est bon, on a fini devant les Canucks. Jacques, je te laisse l'autre question. OK, votre joueur préféré, pas dans votre équipe préférée. Tom Wilson. Bourque, t'es un goon, là. Si c'est Wilson, ton joueur préféré, t'es un goon. Non, je pense qu'il est sérieux. Sérieux. Quoi? OK, toi, dans une game de hockey, t'es là, ce petit goon qui va se payer des suspensions de 10 matchs, là. Mais ouais, à Valcho aussi, il a dit qu'il a sauté sur un gars dernièrement. Il m'a crissé un match en arrière de la zone. Comme il dit, là, tabarnak. J'ai plus de voix, ça commence. Ouais. Toi, pour moi, ça va surprendre de le monde. C'est Darcy Kemper. Depuis le début de sa carrière, c'est un gars qui est stable statistiquement. Oui, de temps en temps, il connaît des mauvaises games. Le gars, il est toujours blessé, mais il revient toujours au top. C'est un gars qui m'impressionne. Ouais. Il joue des mauvaises games de temps en temps, c'est normal. On connaît tous des mauvais soirs. Mais lui, statistiquement, il est pas mauvais. Il a toujours été stable. Côté goaler, c'est Kemper. Si je dois nommer un attaquant, un défenseur, c'est Crosby et Roman Yossi. Alexis, parle pas, s'il te plaît. Non, moi, si on parle d'un Leaf et d'un goaler, en dehors, goaler... Moi, c'est dur à dire. Là. Il y en a plusieurs que j'adore. Donc, Je viens d'avoir la fiche à Kemper cette année. C'est 26 victoires, 6 défaites, 2 défaites en prolongation. Et voilà, c'est ça. Il est fort en tabarnak. À chaque fois, il veut trouver le moyen de chercher bien des victoires. Mm-hmm. Ouais, c'est qu'est-ce que tu disais, Alexis? C'est niveau goaler. Moi, il y a Capo Kakkonen. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce nom-là dans la tête tout le temps. Ouais. Non, il y a aussi Saros que j'adore et tout. Ouais, Saros. Sinon, niveau D, ben, tu as Cal Makar, que ça, c'est sûr. Moi, je pensais cette année que Nashville il aurait été en reconstruction encore. Mm. Sérieusement. Mais non, mais là, cette année, ils sont quand même pas pires, cette année. Mais ça roche, si on parle d'anciens goalers, là, par exemple, ça m'affecte. Ouais. Quand les gars, même, genre, qui ont tous pris leur retraite dernièrement, là. Mm-hmm. Lundvis, Luongo, Crawford, Corey Schneider, tous des gars. Ça va faire assez mal quand ça va être fleuri. Ben, tu sais, t'as juste des gens de même en plus, Ryan Miller, tous des gars de même. Ouais. Hey, mais là, je m'en souviens de son visite, t'as dû faire ta save contre, je pense que c'est contre les Red Wings avec les Canucks. Hein. Qui avait sauté. Il s'en va au banc, il revient, puis il vient gober la rondelle dans sa mitaine. Genre, what the fuck? C'était insane. C'était exceptionnel. Ouais, pour moi, c'est le meilleur arrêt de sa carrière. Le gars, il a genre 37 ans dans ce temps-là, puis Chris s'en fait une grosse save de même. Je le comparais à Kevin Peller, un ancien joueur des Blue Jays de Toronto. C'était fou, en esti. Ouais, exactement. Ouais. Mon père, c'est ça. Kevin Peller! Exactement. Comme Kevin Peller. Kevin Peller, c'est exceptionnel. Le gars, je l'adore. C'est un de mes joueurs de baseball préférés, Kevin Peller. Moi, mais c'était pas dans mon équipe préférée. Ouais. Attaquant, c'est McKinnon. Défenseur, Makar. Goaler, c'est ta deuxième. Ok, c'est pas ton équipe préférée, c'est ta deuxième. Non, c'est sûr. Goaler. Moi, c'est Fleury, sérieusement. Pour tout ce qu'il a fait. Ah, pour elle, exceptionnel. Toi, Zach, tu vas avec quoi? Mon joueur préféré, McDavid. Mm-hmm. Mon défenseur préféré, Cal Makar. Goaler préféré, je vais avec Fleury aussi. C'est bon, ça. Fleury, très bon choix. Qui a éliminé les Sharks, il était sûrement dans la tête. Hein. Ah. Ouch. Bourque, il se fait plein de mises en échec, là. Okay. Les deux trucs en Floride. C'était le segment qui me attendait des points. C'est bon, ça. Là, présentement, vous donnez la coupe à qui? Oh, boy. OK. Je vais y aller les cash tout de suite. Je vais vous surprendre. J'aime ça les prédictions audacieuses. En début de saison, j'avais prédit l'Avalanche.
Mais pourquoi pas Shesterkin et les Rangers? Pourquoi pas? Dis pas ça, man. Swarky va être un nid en tabarnak. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Une finale Rangers puis Avalanche, je suis down. Hein? Okay, ce serait ma finale, ça. Ce serait ma finale pour la Coupe Stanley. Rangers Avalanche. Okay. Ce serait bon. Toi, Bourque? Moi, j'y vais fort pour une finale Panthers Flames. Et shit. Oh, possible, c'est possible. Oh, non, pour vrai, c'est... Il y a quelqu'un qui nous a dit ça à notre podcast. Je me rappelle plus c'est qui, mais il me semble que j'ai déjà entendu ça. Je pense que c'est Carrier. Oh, Antoine Carrier du CF31, il avait dit ça. Oh, mon grand chum. Mais je suis pas sûr qu'il avait dit Panthers. Ouais, il a dit Panthers contre Flames, il me semble. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. T'as-tu les Ducks? T'as-tu les Ducks? Les Ducks? Ce serait-tu les Ducks qu'il aurait dit? Ou c'est vraiment les Flames? Non. C'est vraiment les Flames, il me semble, qu'il avait dit. Ouais, les Flames, oui, mais je suis pas sûr que ce soit les Panthers. Toi, Seb? Colorado Floride en finale. Montréal Panthers. Pas Montréal contre Coyote. Finale. on a un duel de goalers. Vierge Malka contre Jake Allen. Ça va être la finale pour le first pick. Tellement. Mais en vrai, Montréal, là, il rattrape les Coyotes. Là. Bon, pas. Ben, ils sont attrapés. Ah, c'est vrai que c'est qui? Pareil comme toi. Floride. Ouais, mais c'est pas audacieux, ça, là. Faut faire des prédictions audacieuses. Ah, les Rangers, c'est full audacieux, là. Ben, Chris, tu penses vraiment que... voyons, Panthers ont vraiment une chance. Ils sont surpuissants, sauf qu'ils n'ont aucune expérience en série. Non, et c'est justement ça, le problème. Comme Montréal l'année passée, on n'a pas grande expérience en série non plus. C'est ça que notre expérience en série, c'était Price et Gallagher. C'était tout. Et Perry. Ah oui, mais Perry, fuck off, là. Il est parti à Tampa Bay. Je veux même plus en entendre parler. Oh, ça, c'est bon. Mathieu Duguay, Wild Veskins. Ça serait une finale là, surprenante. Caroline-Colorado pour Claude. Colorado. Je serais pas contre ça. Non, ça serait beau à voir, sérieusement, le talent. Anderson vs. Kemper. Anderson puis Kemper, ça serait excellent. Moi, je verrais, par exemple, Rangers pour vrai contre Colorado. Genre, petit duel, là, Makar, Fox, je sais pas. Ouais, non, ça serait quelque chose. Ouais. Bon, fait que Zach, tu vas avec l'autre question. Ouais. Yes. Okay. Qui va finir meilleur pointeur de la ligue selon vous? Pour le Heart Cross, ça? Mm-hmm. Ouais. Ouais. Je te laisse commencer, Bourque. Youbidoubidou. Ben, en vrai, je vais aussi avec Huberdeau. En vrai, je pense que c'est quoi? C'est qui lui en 2000? C'est qui a eu Huberdeau? Avant Huberdeau, un Québécois, c'était quoi Martin Saint-Louis en 2013? Ça doit être ça parce que je vais aller voir là. Autrement, ça remonte à 2004, me semble. Nicolas Delaurier. Ouais, Saint-Louis en 2013. Sinon, ça va être 2004 encore Saint-Louis. Il a pas fait genre 100. Ah, Saint-Louis, ça? Ouais. Sinon, ça va en 97, c'est Mario Lemieux. Après 2004, ça? Ouais. 97-96, ça a été Mario Lemieux. 93-92, Mario Lemieux aussi. Je vois que Lucky était buggé. Moi, j'ai un bug de caméra, je sais pas pour vous. Non, c'est toi qui as buggé. C'est juste... Fait qu'à vous donner à qui le Heart Ross? Toi, c'est Bourque et moi, on a Huberdeau. Ouais, Huberdeau. Moi, Huberdeau, Matthews. Ça me fait mal de dire Matthews. Fuck Mathieu, je le suce, ouais. Mathieu. Il me sort, il me baisse ses pantalons, je vais le sucer, Mathieu, ça. Tabarnak. Ouais, toi, Zach. Huberdeau, vas-y, ouais. Fuck off. On fuck est... Mathieu. Ok, ben, check, Zach, viens avec moi, on va le sucer, Mathieu, il va perdre. Tabarnak. Faites juste jouer le comeback de l'année passée des Canadiens, puis il va pleurer. Je vais te pleurer. OK, là, on va faire, si les joueurs de la Ligue nationale y auraient été aux Jeux olympiques, qui aurait eu l'or, l'argent et le bronze, selon vous? Juste avant, je vais te dire de quoi. Ouais, vas-y. J'ai fait une saison sur NHL 15 ouais. avec Montréal, et le meilleur pointeur a été David Dernay. J'ai même pas vu. J'ai juste fait simuler, puis David Dernay a gagné. Le Heart Ross. Oui. Le Heart Ross, c'est... Ben voyons donc. Dernay, le Heart Ross, c'est... 83 de général. David Dernay.
Ça n'a pas de sens. Mais si les joueurs auraient été aux Jeux Olympiques NHL, là, qui gagnait l'or, l'argent ou le bronze? Un de vous deux commencer. Je vous laisse. Fait que, veux-tu y aller, Bourque, ou je vais? Oh, vas-y. Je vais mettre des explications parce que j'aime ça mettre des explications et mettre mes connaissances. Pour ce qui est de mes connaissances, Canada aurait eu l'or. Il y a juste trop de puissance à poser Canada en NHL. Mm-hmm. Fait que ouais. Canada aurait eu la médaille d'or. Avec Kemper comme premier goaler, ça aurait été exceptionnel. Price, évidemment, il est pas là depuis le début de la saison. Fait que il n'aurait pas été là aux Olympiques non plus. Fait qu'un un tandem, Kemper puis Fleury, ça aurait été incroyable. Troisième goaler, j'aurais mis Blackwood. Il n'aurait pas goalé, mais au moins il aurait été là. Côté de la défense, Chabot Fourlessy aurait été sa troisième paire avec le temps. Ça aurait été une très bonne paire. Et pour les deux premières lignes, Petrangelo première paire, Petrangelo puis je cherche son nom. Ouais, Makar. Puis deuxième paire, fuck off, là, je mets pas de nom pour la deuxième paire. Là. Okay. Il y a trop de noms, là. L'argent, tu la donnes à qui? L'argent, je la donne aux Finlandais. Surprenant, ouais. Un premier trio Barkov, oui, Barkov. Mm-hmm. Barkov, Lekkonen, puis... Lekkonen. Barkov, Lekkonen, peut-être Kanyemi, let's go. Ça, c'est dans la quatrième ligne, Lekkonen, puis Kanyemi. Mais en vrai, je pense que c'est Arros, Aishkanen, Lindell. Ça reste un bon... Arros, je pense. Ouais, Arros au centre. Ouais, Arros, ouais. Ao, Lindell, Ashkelen, ça aurait été fort comme bonne ligne pour l'argent. Ouais. Puis ça me fait chier en tabarnak le bronze aux Russes. Fuck les astuces russes. Shesterkin, je l'adore, mais Chris qui goal bien en tabarnak, fait que mais fuck les Russes là, ROC là, tabarnak, aller au fond puis couler bande de salopes. Premièrement, pourquoi tu mets lui premier? De quoi, les Canada ou... Non, mais pourquoi tu mets lui comme premier goaler de la Russie? Pas seulement que j'ai d'autres choix, Shesterkin. Shesterkin, ouais. Fuck Vasilevski. Il fait partie de Tampa Bay, fuck off. D'après moi, ça aurait été Vasilevski le premier. C'est Tampa Bay, fuck off. T'as oublié les États-Unis. États-Unis, quatrième. Quatrième, ok. En tant qu'en demi-finale, États-Unis, la Suède, 5. Suède, 5. Ouais. Je finis en top 5 avec la Suède. Parfait, Alexis, pour toi, ça va être quoi? Le Canada premier. Mm-hmm. Crosby, c'est à 4. Ensuite, fait l'équipe. Oui. Ensuite de ça, je mets États-Unis deuxième. Mm-hmm. Puis après ça, je mets notre cher lanceur de missiles troisième. C'est bon. Notre lanceur de missiles au Ovechkin? La Corée du Nord. On a oublié de mettre la Chine, les gars, ok? La Chine. La Chine qui a même pas une équipe chinoise. Ouais. Ça, il y avait des joueurs. Non, mais bon. Genre, ça aurait même pas été une équipe d'Olympique, ça, là. Il y avait des joueurs canadiens, oui, c'est pour américains. Ça qu'il y avait des joueurs russes. Qui ressemblaient pas à des Chinois. Non, mais c'est ça, je te dis. Il y avait aucun Chinois là-dedans. Les quatre Chinois de l'équipe, ils étaient benchés. Non, il y avait genre quatre mangeurs de... Ah, il y avait des gars du Canada, il y avait des gars de partout, mais qui avaient la citoyenneté. Quatre mangeurs de chiens, comme Alexis vient de dire, puis les autres... Oui, il y avait juste quatre Chinois, juste quatre. Puis les quatre étaient benchés, go, ils faisaient rien, ils n'étaient pas là. Mais pas dit même au cas où il y avait des Chinois, là. Puis les Chinois, là, l'équipe chinoise ont donné des noms russes aux joueurs, des noms chinois aux joueurs. Pour les faire croire qu'ils sont chinois. Est-ce que on regarde tes yeux puis on sait que t'es pas chinois? Hein? Non, il n'y a pas donné. Il y a même un parce qu'il y a une ligue là-bas. On regarde tes yeux puis on sait que t'es pas chinois, Chris. Ouais. Non, mais lui, il ne voit pas. Mais... mais ça reste que... Il y en a un tabarnak qui a écrit que j'ai l'air handicapé. Mais bon. Hein? Mais c'est ça, il
à cause qu'il y a comme une ligue en Chine, ben, ils ont comme leur citoyenneté, puis il y a comme 3 ans, une affaire de même. Fait qu'ils ont le droit de faire l'équipe, mais moi, je trouve pas trop ça correct. Non. Citoyenneté ou pas citoyenneté, si t'as pas, si t'as pas, si tu viens pas d'une, d'une partie de base en Chine, t'es pas chinois, là. Oh là là! Mais est-ce que je l'ai dit, donc? Quand tu penses à ça, là, au soccer, tout ça en Europe, là, il y en a tellement, même, tu fais juste regarder l'équipe de la France, qui est pas, pas pour être raciste, mais qu'est-ce qui est pas blanche, là, genre ça vient pas du site, là, tu checkes tout. C'est tous des gars qui viennent d'ailleurs, genre. Ouais, c'est ça, genre quand t'es africain, ben Pogba il est français. Pogba il est français. Non, mais je sais, il n'y a pas tant de français que ça. Ils ont tout genre non, ça, il n'est pas dans Mbappé. Mbappé, il est dans le coin d'Afrique. Il est dans le coin d'Afrique aussi. C'est pas mal ça. Tu sais, je suis pas tant français. Ouais, mais j'ai checké ça, là, à un moment donné, il montrait ça, puis tu n'as comme juste quelques-uns qui viennent, genre, de la France. Mais ça reste que au hockey, un des seuls quasiment qu'il a comme changé de citoyenneté en tant que tel, c'est genre Danny Hitler. Ouais, Danny Hitler, il était quoi de base? Il était quoi de base? Il était. Hey, c'est où donc? C'est pas un pays. Il est quoi, il est tchèque? Non, ben je sais plus. Vous allez voir ça, là, mais je sais qu'il était rendu comme Canadien en tant que tel, mais à base, il est pas ça. Ah, non, il est pas Canadien. Il me semble que Hitler. Il est en Allemagne. Il est en Allemagne. Voyons donc, fuck l'Allemagne, je les suce les Allemands. Des bonnes touches, pas d'eau. Parfait, Zach, toi, tu donnes les médailles à qui? Canada or, les lanceurs de bombes, comme Alexis a dit, deuxième. Puis troisième, c'est serré entre Finlande et États-Unis. Pour une fois, c'est pas le Kazakhstan. Moi, je donne premier. Premier, je donne Canada. Deuxième, les lanceurs de bombes aussi. Fuck les Russes! Troisième, je donne Finlande. Mais Chris, les gars sont une grosse équipe. Tu veux faire quoi? Ils ont rien à foutre! Avec Kim Panarin. Kuznetsov. Non, Kuznetsov n'avait pas le droit. Ah, c'est vrai à cause qu'il avait été banni. Ben, ça reste quand même. C'est comme Grush en Allemagne, il ne peut plus gauler. C'est comme Grush en Allemagne. Hein? Oh. Thomas Grush, il est out des Olympiques lui, pour une histoire en Allemagne. Là. Il n'a pas battu sa femme, lui? Non. Non, non. Non. Thomas Grush, ouais, lui, il est out des Olympiques pour une histoire. Là. Je vais chercher des informations puis je vais vous donner ça en privé. Parce que live, si je suis sûr, je vais encore me retrouver sans la caméra puis partir du live sans m'en rendre compte. Fait que je vais aller checker après le live puis je vais vous envoyer ça en privé pourquoi il est out des Olympiques. Ah, je pense que les gars sont en train de checker ça. Là, ouais, sûrement. De quoi? Grush out des Olympiques. Non, je check pas ça. C'est Claude qui nous aide. Son ordi va fermer, fait qu'il nous a demandé de donner les accès. Là. Pour qu'ils se connectent ailleurs, c'est juste pour ça. T'es-tu en train de te donner, Zach? Ben, j'ai écrit, mais je suis pas certain, à moins que ce soit les mêmes que partout. Ouais, c'est les mêmes que partout. Ok, ben ça devrait être ça. Ben, non, il faut juste qu'ils entrent les mails, puis ils vont un code qu'il faut que tu lui donnes, en tout cas, avec les mails. C'est rien que ça. Ok. En tout cas, pareil, on avait fini la section questions. On vous remercie sérieusement, les boys, d'être venus sur notre podcast. Yes, merci beaucoup. Wouh! Let's go. C'est fou, ça a été une belle soirée avec vous autres. Ouais, avec surtout la mise en échec que je m'attendais pas à ça. Ouais. Je m'attendais pas à ça. Moi, j'étais pas prêt à me faire rappeler mon 05 avec Will, là. J'étais pas prêt, moi, là. Ben, moi, je me demandais où c'est où t'avais été chercher cette info-là. Bon, ben, ouais, quand que je fais la mise en échec, je contacte tout le monde. Même mon KFM 54, j'avais trouvé quelque chose. Fait que... Mais t'as-tu juste quoi? Mon frère? Attends, oui, pas, moi je vais aller voir ses podcasts, je m'en fous, je vais aller voir. J'ai juste contacté ton frère parce que je savais qu'il allait me donner quelque chose. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'était sûr. On peut, j'ai essayé de trouver quelqu'un d'autre sinon, là, mais. Non, dans le groupe, j'ai un peu trop d'affaires des fois, mais c'est pour pas le dire. Ah, fait que, les boys, merci d'être venus sur notre podcast. On va suivre vos chaînes. Alexis, c'est NHL FanQC sur TikTok. T'es-tu sur Instagram? Bourcoquet, mon compte. Bourcoquet. Parfait. Puis Justin, c'est JustLucky sur TikTok aussi. Ouais, ben là, tu mets un 19. Ouais, JustLucky19. Puis sur Insta, Just bord du bas, Lucky bord du bas 19. Vraiment des bords du bas entre les deux. Bord du bas. Yes. C'est ça. Donc, on vous remercie, puis merci d'être venu sur notre podcast, les boys. Yes, merci. Yes, yes. Ciao.
Et bon. Voilà, c'est ce qui conclut notre sixième épisode. C'était drôle la soirée. Ça. Ils ont été. Les deux, ils ont lâché leur fou, j'ai l'impression. Ouais. C'était drôle. Ça a été malade. Justin, je pense que ton sourire, pas ton sourire, ton rire, je vais l'avoir dans la tête pendant 5 jours. On a entendu la soirée. Yes. Fait que, sérieusement, on peut pas annoncer tout de suite l'invité du prochain podcast, mais on peut dire que ça va être la fin de semaine prochaine, samedi ou dimanche, avec nos disponibilités, bien sûr. On est bien. Va être inscrit comme qu'on le fait à chaque semaine, là, sur Facebook et partout. Yes. Fait que, là-dessus, je te laisse le mot de la fin, Zach. Ben, le mot de la fin, merci d'avoir écouté. On se revoit le 7e avec moi. On va te contacter. J'ai déjà des projets. Mais, ouais, il était censé être sur le 6, mais en tout cas, c'est ça. Ouais. Ça m'a fait tomber. Ah oui, merci d'avoir écouté. Une pub de Bouge Radio va être écrite. Le fondateur est le père à Sébastien, avec qui le podcast n'aurait pas une autant belle qualité. Je parle de l'introduction. Seb, arrête de regarder les coulisses aussi. Regarde. C'est bon. C'est une blague. Ouais. Fait qu'on va starter la pub Bouge Radio. Je vais dire un petit mot là-dessus. C'est l'application Bouge Radio. C'est plus de 26 stations. Tu peux partir ça, mon Claude. À la prochaine.